you. Bonjour tout le monde, ici Akipo, on est de retour sur Pokémon version bleue. Ah, j'adore les chants, viens te battre. Mais c'est pas lui. Je suis... C'est lui ou pas? Non, il dit que les genoux, ça garde les... Les genoux, ça garde les shorts au frais, oui. Il dit normalement que... Que les shorts, c'est cool et que ça garde les genoux bien au frais. On m'a menti? Oh non! Ah cool, je reprends l'avantage à Aerocool. Oui, donc on se retrouve sur Pokémon Bleu. La semaine dernière, nous avons éclaté Pierre, il n'y a pas d'autre mot. C'est deux fois Liane, on suffit. Et au final, j'ai pas pu parler de Rakaillou. Alors Rakaillou, si vous regardez bien, il n'a pas de pupille. Et le fait qu'il n'ait pas de pupille, c'est quand même dégueulasse en soi. Et puis, on dirait qu'il a des cheveux. Ah par contre, en fait, ce qui fait chier avec Ligotage, c'est que je peux pas changer de Pokémon. Non, franchement, c'est OP, cette technique, hein. Ah, mais je vais mourir. En fait, faut pas qu'il attaque encore. Je sais pas si c'est 2 ou 3. Non, mais sérieux? Bon, bah tant pis, à Aerocool, hein. Ah, c'est casse-couille, un putain d'abo, quoi. En plus, je crois que je peux pas l'avoir, moi, abo, sur bleu, mais je suis pas sûr. Oui, je dis encore n'importe quoi, et alors? Vous avez l'habitude depuis, non? Et là, il fait juste un gros yeux moisi, quoi. Ah. Ouais, il a tenté, tu vas me dire. Darvenin, t'es courant que je suis à moitié poison? Salaud. Voilà, ah. Je suis dégoûté. Oh, gamin! Nyahaha, tu m'as taillé un short! Voilà. On se croirait à la rédaction de. Merde. On se croirait à la rédaction d'Eva Sansu. Je suis Ténébro, tu veux qu'on se boxe? Je vais te foutre un hypercut. Non, pas un hypercut, un hypercut. Bon, mais ça va faire monter Ratata, je crois. Ou Chenipan, c'est lequel que j'ai chopé en premier? Chenipan. Voilà, c'est bien, t'as dit bonjour, maintenant on fait ça. Oui, alors, moi, c'était ma technique, je pense que c'est la technique de tout le monde, hein. Qu'on soit d'accord. Ouais, moi, j'ai souvent fait ça, c'est... Vu que, ben, mon Bulbizarre est un ton, et qui fait très mal, mettre des Pokémon vraiment... Oh, tu fais mal, petit Ratata, comme t'as joué. Mettre en premier pour le premier Pokémon... un mec que j'ai vraiment pas monté, c'est cool quoi. Niveau 16, j'ai une attaque. Non, toujours pas. Parce que j'aimerais. Oh, Nidoranmal. Nidoranmal, c'est poison. Poison combat. Je sais plus. Ouais. Hein? C'est pas très efficace. Hein? Quel type il peut. Ben, poison. Mais en quoi la plante c'est pas efficace? Moi, je sais pas. Je sais pas. J'aime bien Nidoran. Le fait qu'ils en ont fait un mâle et une femelle, c'est quand même incroyable. Mais j'ai pas regardé sur les versions, on va dire, d'aujourd'hui. Sois gentil. Ah oh oh. Oui. Oui. Mon Pokémon préféré. Bon, il a une sale tête sur la version bleue, mais... Ah là là. Ah, il est beau. Swaglord évolue en air bizarre, mais il s'appellera toujours Swaglord. Ouais, t'as compris. Allez, on va voir. T'es un dresseur? Non. Non. Oh merde, putain, j'ai déjà air bizarre. Ah, j'avais oublié que les niveaux c'était à peu près 16 et 32. Ah, j'étais pas là-dedans, mais alors du tout. Je n'y parle, tu veux pas monter de niveau? Allez, Swaglord, t'as pris des PV en plus et tout là. Oh mon dieu, il est dégueulasse de derrière en plus. Waouh, tu m'as fait 2. J'apprécie beaucoup. Die. Ah putain, mais c'est vrai que quand tu prends un niveau, mais tes stats, elles ont... Oh, c'est bon ça. Enfin, quand tu prends un niveau, quand tu évolues, pardon.
Ouais, niveau 5. Faut qu'il monte niveau 5, lui, c'est ça? Oh. Scoot va appeler Coconfort. Non. On va se soigner sur Coconfort. Ah, j'aime bien Coconfort, moi. Je sais pas pourquoi. Autant que Crisacier, je trouve chiant, autant que Coconfort, je l'aime bien. Peut-être le bruit, en fait, ça y joue. Hein. Moi, j'aime bien le bruit des Pokémon. Il y en a, je les connais par cœur. Ben ouais, à force d'en croiser ou... Genre Liputou, sérieux, qui ne connaît pas le bruit de Liputou? Ah, mais vu qu'il est vampigréné, on va utiliser Chenipan. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds du temps! Ben non, parce que si j'arrive à monter un Chenipan en papillusion, choc mental, ça peut être cool, vous savez. Bon, on va y passer un peu de temps, c'est vrai, mais là, ça va être PV par PV, quoi. Mais il y a la vampigrette qui m'aide. Au lieu de taper à 1, je tape à 2. LOL. Et oui, Liputou, par exemple, oui, je disais, mais c'est moi le cri, mais je le connais, mais par cœur, quoi. C'est Balumbé, quoi, Liputou. C'est Nicki Minaj, Liputou. Liputou, c'est le meilleur Pokémon Non, c'est pas le meilleur Pokémon glace, mais il est pas dégueulasse. Allez! Merci d'avoir joué. Ouais. Bon, que 67, par contre... Ah, mais oui, c'est partagé. Il va appeler Chenipan. On va mettre non. Pour continuer à lui donner de l'XP gratuite. Et on change sur le Swaglord. Eh, c'est ça la technique. Par contre, s'il envoie Crisacier à la fin, le combat est un peu long quand même. Bon, il a 4 Pokémon, ok, mais... Ouais, je trouve qu'après, il va falloir que j'aille les soigner. Parce que Rukul me manque. Enfin, c'est pas que Rukul me manque, c'est... C'est que voilà. C'est faudrait quand même. Ouais, si c'est Crisacier, par contre, c'est cool. Ah, mais non, parce que. Ouais. Pff. Non, je change pas. Je change pas et je l'éclate. Hein. C'est bon. J'ai pas que ça à faire. Ah, dommage. J'aurais pu faire un two-shot. Oh, peut-être le critique. Hein. Ah, bah non. De toute façon, dès qu'il me faut me faire mentir, les jeux, ils font exprès. Genre, hey, il a dit quelque chose! Oh là là. Mais c'est incroyable. Comment je fais pour avoir si peu de précision? C'est un Crisacier! Il vole pas, il est au sol, parce que c'est une putain de chrysalide, il est pas censé bouger. Qu'est-ce que je fais pour le rater? Je cours trop vite! Même... Au contraire, ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. Punaise. Bon, ben, je suis déçu. Je suis déçu par rapport à ce monsieur-là qui aime les shorts. Voilà. Le monsieur qui aime les shorts n'a pas dit la phrase que j'attendais de lui. La déception m'habite. Ouais. Ah, punaise. Je suis dégoûté. Bon, on est quand même en route pour le mont Sélénite. Alors, il y en a qui disent Sélénite et il y en a qui disent Sélénité. Je sais pas si dans le dessin animé, c'était pas Sélénité. Mais bon. Comme a dit un grand homme, on s'en fout. Je vais m'acheter une potion s'il y en a. Parce que j'ai pas envie de faire des allers-retours. Ouais, potion. Je sais, j'avais dit que j'utiliserais pas les objets, tout ça, mais... Il y a des moments où, en fait, si tu fais une course, ça peut être plus qu'utile. Et au lieu de me taper des allers-retours moisis entre la route je sais pas combien et le mont Sélénité... Allez, viens, là. Ouais. Alors, j'aimerais bien choper un rondoudou ou un mélophée. Ça, je l'avais dit au début, je crois. Que pour moi, le mont Sélénité ou Sélénite, c'est pas grave, je juge personne, hein. C'est que j'ai vraiment besoin d'un rondoudou ou d'un mélophée. C'est pas que je le veux juste pour le plaisir, hein, c'est j'en ai besoin. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Rougoul, c'est pas mal, enfin, c'est pas mal. Ça serait bien qu'il apprenne une attaque R comme ça au moins les mecs comme ça, je les éclate, mais bon... Oui. Crisacier. Non.
On va voir si j'y arrive. La 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 la. Oh, ouais, non, ça va être long. Pour l'XP que ça donne, en plus, un courant de crise acier. Ah. Bon, tant pis, de toute façon, faut bien que je monte un autre Pokémon, parce que si mon ton de Swaglord, ben, il tombe, on sait jamais. Qu'est-ce qui pourrait le faire tomber, d'ailleurs, dans mon Sélénité? Je sais pas. Les Nosferapti, ça fait juste vampirisme. Mais c'est pas si casse-couille que ça. Vampirisme, c'est quoi? C'est... c'est insecte? Je sais pas. Ah ouais, mais normalement, les plantes n'aiment pas les insectes, je crois. Enfin, du moins, les attaques insectes. Ouais, mais mon dieu, mais Roucoule, mais tu en souffles. Oh, Roucoule. Ben, il m'en faut des nouveaux, hein, une fouée. Bon, allez. Rondoudou, il est là ou pas? S'il y a Rondoudou, là, du premier coup, genre, PAM! Ah ben non, Piafalol. Piafalol! Niveau 5. D'accord, j'aime beaucoup quand même la différence... Enfoiré. J'aime quand même la différence entre les niveaux des dresseurs et le niveau de tes Pokémon, quand même. C'est quand même intéressant, hein, faut se le dire, voilà. Alors, est-ce qu'elle est méchante? Ouais, elle a pas l'air de vouloir bouger. Bon, on va XP. Non. Niveau 7. Et lui, il est niveau 6. Je pense qu'il va se faire démonter. Ouais, voilà. Ça qui fait chier, c'est que Chenipan, c'est quand même très fragile. Et ça tape pas du tout. Ouais, non, c'est pas normal, ça. Swaglord, viens à mon aide. Oh, j'aurais pu prendre Roucoule, mais... Vous savez très bien que j'aime tellement mon Swaglord. Donc... Ah là là. J'ai quand même 9 niveaux de plus que toi et je t'OS pas. Tu peux être fier de toi, Roucoule. En plus, tu m'as mis un critique. Oh, je te déteste. Mais franchement, mais je le déteste tellement. Oh, mais c'est pas vrai. Mais arrête de spammer. Bon, je fais que des charges, mais... Mais putain. Mais j'en ai marre. C'est vraiment de la merde. Oh. Et je suis drôle. Ah, ça y est, putain, c'est pas trop tôt. Allez, casse-toi. Ah, tu m'as gavé. Non, mais 27 d'XP. Bon, Eh, tu m'as touché, là? Non, c'est toi qui m'as agressé, nuance. Qu'est-ce que j'ai envie de toucher une fillette? En fait, ce jeu est vraiment bizarre, quoi. Ah, je le veux! Il est dégueulasse. J'avais oublié que son sprite était affreux. Oh, mon Dieu, si m'endort le Swaglord, on va passer un sale quart d'heure. Rondoudoudou. Oh! Aucun effet! Mange mon Fouillane, bitch! Voilà, vous voyez? Mais comment ça se fait que Swaglord, il s'en bat les steaks? Ah oui, écrase-moi la face, Rondoudou. Rondoudou, que j'aime beaucoup jouer sur Super Smash Bros. Hein, voilà. Si tout le monde dit, oh mon dieu, il est nul! Ben en fait. Certes, tu fais à peu près la même chose, mais il a un très bon spacing, et puis c'est un personnage intéressant, faut le dire. Le repos. Oh! Déjà? Ah bah oui, il est niveau 7. Enfin, déjà, lol. Bon, ça c'est fait. En plus, ça monte nos entrées au... Pas au hit parade, mais... Oh, comment ça s'appelle au Pokédex. Alors, ah, par contre, j'ai envie de vérifier quelque chose, excusez-moi. C'est le numéro 20 et quelques. Ah, putain, je savais pas qu'il était si bas, Rondoudou. Donne-moi la zone. Ouais, c'est là où je suis. Parce que moi, je crois que mon premier Rondoudou, je l'ai trouvé dans les herbes là, après. Oh! Bonjour. Je vais faire une halte. Mouarf! Là, ici, non, hein, j'ai trouvé mon doudou près du panneau. J'ai cogné le panneau, vous avez entendu? Oh. Je veux pas le Roucoule. Oh mon dieu, mais on dirait qu'il est crevé, regardez son œil, quoi. Oh, l'œil du crisacier. Je suis décédé. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre Swaglord. Ah ouais, mais le jet de sable. C'est ça que je veux punir, moi, le jet de sable. Oh oh oh.
Et on va les soigner, je pense. On va les soigner, et puis vu que, ben... Oh, je pense que ce qu'on va faire, entre vous et moi, c'est que... Oh, putain. On va commencer le mont Sélénité. Sélénité, je sais pas, je saurai jamais. Dites-le-moi dans les commentaires, parce que moi, je sais pas. Avec une preuve à l'appui, quand même. C'est... Je veux pas qu'on me dise « C'est Sélénité !» Pour que ça soit Sélénité. Ouais, d'accord. Donc, nous allons commencer le mont Sélénité. Voilà. Et on va essayer de choper Mélofée. Qui est meilleur niveau stat que Rondoudou. Même si Rondoudou a pas mal de défense, je crois. Hein. Ah, putain, mais attends. Si je dis que Rondoudou a pas mal de défense, est-ce que cela expliquerait pourquoi... Dans Super Smash... Oh mon dieu, je me souviens pas du chemin. Pourquoi dans Super Smash Bros... Ah, ça y est, le premier, quoi. On a fait deux pas, c'est parti, quoi. Neuf Seraptiland. Par contre, je vous préviens, je pense qu'on va fuir pas mal de combats, parce que sinon, on en a pour 3 jours et demi. Mais si je trouve un Mélofée, mais la grosse joie... Allez, le vampirisme, ça commence. Ah, voilà pourquoi je passais un 5 quart d'heure. C'est que c'est insecte. Ah putain. Non, c'est rapide, en fait, va falloir que je le... je réfléchis, ouais, désolé. Allez, non, c'est rapide, va falloir que je les calme avec... Ah punaise. La 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 la. J'aime beaucoup le monstre. Ah putain. Est-ce qu'on en choperait pas un Je sais pas. J'ai pas envie. Bon, on va utiliser Roucool parce que là. Parce que sinon, mon Herbie, parce que c'est plus Bulby, il va prendre au taquet cher. Et lui, il s'en fout. Très bien, Roucool, tu es utile. Je t'aime. C'est quoi qui a le plus d'attaque? C'est Vive Attaque ou c'est Tornade? Oh là là, coup critique. Je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai vraiment pas fait du comment ça s'appelle, pas du pro, mais du technique sur oui sur Pokémon. Je savais qu'il y avait un truc là. Une CT. Ensuite c'est vert. Bonjour. Dans les grottes on trouve de la racaille. Ah, est-ce que ça veut dire qu'il a des racailloux? S'il en a, c'est beau, quoi. Ouais, non, c'est un scout, il doit avoir des insectes. Voilà. C'est dommage, parce que ça aurait été très drôle, quand même. On trouve de la racaille. Pokémon. On va taper le Roucool. On va tester le Roucool, là, un peu. Ah, putain, s'il est empoisonné. Ça va. Ça va, parce que même s'il me fait sécrétion que je perds de la vitesse, lol. Voilà, vive attaque, attaque toujours en premier. Sauf si le mec en face fait une autre vive attaque, qui, s'il a plus de vitesse que moi, peut taper en premier. Non, s'il te plaît, l'empoisonne pas, parce que là, je vais pas être heureux, là. Il va falloir que je retourne encore. Bon, il me reste... il me reste pas beaucoup de temps. À Coconfort. Non. Ouais, commence par armure. Alors, Coconfort, quand même plus de vitesse que Roucool. Ah, mais c'est parce qu'il y avait la sécrétion de l'autre derrière. Parce que oui, si tu perds de la vitesse contre un Pokémon, tous les autres derrière, ben, t'as les mêmes stats, en fait. On va essayer de lui faire le plus de dégâts possible avant qu'il armure. Oh non. C'est pas vrai. J'ai un animal de type félin qui m'appelle. Pas par téléphone, hein, c'est pas drôle. Qui répond au nom de la grosse Mimi et qui me regarde fixement. Ouais, vous aimez ma vie, hein. Ouais, Coconfort est décédé. Roucool monte niveau 13. Courbe. Bon, Roucool a bien rattrapé... Bulbidob, je crois que c'est par là-bas. Bon, on va faire ce qu'on... Mélofée ? Non, c'est trop simple, sinon.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut monter Chrysacier, j'avais oublié ça. On va faire le... Ouais. Oh non! Urukul devient complètement taré, quoi. C'est quand même... Comment tu peux... devenir assez débile... Déjà? Oh, pas mal. Bravo, Urukul. Comment un Pokémon peut devenir assez débile pour s'infliger des dégâts à lui-même? Genre, oh mon dieu, je suis fou, je vais me frapper. C'est... Il y a quand même de noir dessin dans... Non, Pokémon. Oh, un point de vie, sérieux? Bon, maintenant il en a deux, mais... Allez, ciao. Tu m'as gonflé. Oui, donc je disais, on va faire le combat, là, juste après. On va se soigner. Bonjour. Et après, ben, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Et on n'aura pas trouvé de Mélophée. Putain, je veux le capturer. On peut pas capturer les Pokémon des autres. Ah non, il me faut un Mélophée, quoi. En plus, j'aime bien Mélophée. Vous savez pourquoi? Parce que l'ombre de Mélophée n'est autre que... Ectoplasma. Oui. Ah, elle a beaucoup de défense spéciale, je crois, Mélophée. C'est pour ça que je veux un Mélophée. Je crois que c'est ça, en fait. Mélophée a de la défense spéciale, et Rondoudou a de la défense tout court. Et de la défense spéciale. Mais, salope. Je n'ai pas d'autre mot. À part salope. Ah, déjà. Mais Swaglord, mais tu es un fou. Tiens, chargeons-la. Allez, bisous, Mélophée. A très vite, j'espère. Oui. Bon, on va essayer de rentrer sans Nosferapti. Mais merde, sérieux, la RNG, merci. Bon, on soigne, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour, ben, désolé encore de le dire comme ça, mais pour mes aventures sur Pokémon Bleu. N'oubliez pas que le reste de la semaine, c'est mes collègues qui s'y collent. Avec, évidemment, Pokémon Vert et Jaune qui sont assez différents, et Rouge qui adopte une stratégie pour le moins... inhabituel à mon goût. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, et puis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.